tu as débuté, sur un cornet ou une trompette? J'ai commencé moi sur un cornet à piston. Sur un cornet à piston. Un vieux cornet à piston que m'avait ramené mon père, il faisait des petits bals populaires dans les Cévennes. Ouais. Et puis il avait acheté un vieux cornet à piston. Tu te souviens de la marque et tout ça? Non. C'était un vieux coin. Un vieux piston. Mais donc le cornet à piston, je comprends, quand Berlioz voulait les deux cornets à piston dans son orchestration, il voulait ce son magnifique. Il tranchait. Quelle couleur, mais la vraie son du cornet. Mais qui tranchait par rapport à la trompette qui était un peu plus noble. Voilà. Alors que là, maintenant, tu entends la marche supplice dans la symphonie fantastique de Berlioz, tu entends des cornets trompettes. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a eu aussi un problème pédagogique où les concertos qu'on nous proposait, les plus modernes d'entre eux, finalement n'étaient pas tellement adaptés au cornet, on écrivait pour le cornet comme on écrivait pour la trompette. Un peu, oui. Surtout les derniers compositeurs, les 20 dernières années.